Bonjour tout à tous, l'ami, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous êtes en super forme. Pour moi, ça va super. Les copains, on se retrouve pour une vidéo. Il est 10h19 quand je lance le règle, tout simplement. On va se faire une vidéo de dingue. Le nouveau skin de mon petit Emery qui est sorti. Et alors là, les gars, je suis en plein délire parce que j'avais pas fait gaffe au prix d'Emery. Emery énergisé, je croyais qu'il était à 150 gemmes. Il est à 80. Et c'est bizarre parce que moi, je trouve que ce skin, il est monstrueux, les gars. La casquette de Léon, le petit ballon sucette de Primo, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Mais en tout cas, je trouve qu'il est ce skin est vraiment stylé, il rappelle beaucoup de d'autres brawlers, et ça clairement, c'est survalidé pour moi, donc vraiment j'espère que vous le kifferez. Si vous voulez l'acheter les gars, n'hésitez pas, mais bien sûr, le petit code créateur Gaël qui régale, on va bien sûr se le tester. Je suis avec un pro player du duo survivant qui s'appelle Bomi, vous connaissez les gars, une machine de guerre ce petit, c'est moi qui lui ai appris à jouer, maintenant c'est devenu un monstre, un peu comme Didi, donc ça fait plaisir, voilà les gars, donc j'espère que vous me bombarderez les pouces bleus, je vais vous poster la vidéo le plus tôt possible, je pense sur le coup des 11h, 11h30, et je pense qu'on va s'envoyer le skin directement, 3, 2, 1, c'est parti. Alors est-ce que in-game il va être aussi beau que comme il est là? Ça c'est la question qu'on se pose les gars, mais bien sûr. Ok, c'est validé, on l'a choisi, tac tac. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on valide? La map de James. Ok, les gars, vous êtes concentrés ou pas? Est-ce que vous êtes concentrés, les gars? Est-ce que vous avez cliqué sur le pouce bleu? Allez, les gars, on est parti en game. Il faut se concentrer, les gars. Concentrez-vous un petit peu, vous aussi, devant vos écrans. Prenez un petit coca, café, ce que vous voulez. Concentrez-vous, parce que si vous nous portez chance, les gars, je pense que la famille, vous allez croiser les doigts. On va se faire plein de top 1. Avec Bomi, avec le frérot, on va se faire 50 000 top 1. Voilà, pourquoi ils me mettent pas deux caisses côte à côte? Ce serait génial en vérité. Moi, c'est une de mes maps préférées, les gars. Celle-là, honnêtement, la plaine orageuse, qu'est-ce qu'elle est géniale, cette map. Alors, Mortis. Ouais, Mortis, j'allais dire, s'il est méchant avec moi, il me prend la caisse. En vrai, c'est la famille, Mortis. Il a pas osé. Viens vers moi. Viens faire un petit bisou à tonton. Viens faire la bise à tonton. Viens là, petit. Alors, Mortis, lui, il se laisse toucher. Oh, le skin, il régale. Le skin, comment vous le trouvez, les gars? Sincèrement. Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui? Oulala. Il est à moitié AFK, le frérot, là, je sais pas trop ce qu'il fait. On va se régénérer, on va se remettre de la vie avec le gadget, les copains, et je pense que là, clairement, si on fait pas top 1, je vous autorise, bah, pas à m'insulter parce que c'est la famille, mais je vous autorise à me critiquer, bah oui, les gars, même si je sais que vous le ferez pas parce que vous êtes vraiment les frérots. En tout cas, la famille, si vous voulez me suivre sur Instagram, on l'a déjà dit, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis assez présent sur Insta, c'est vrai. C'est un petit peu le réseau du moment. Ok, bon là, si on n'a pas top 1, c'est bon, c'est impossible. On a 15 pots, les gars, j'ai 10 000, non, combien de PV? Je laisse Bomi faire le travail un petit peu, il a rien foutu de cette game, les gars, c'est pas possible. J'embauche des pro-players, les gars, ils font rien dans la game, c'est scandaleux, on est d'accord. Non, je rigole. N'hésitez pas à les follow Bomi, d'ailleurs, c'est le frérot. Il est assez actif sur Twitter. Et du coup, je vais me faire éclater, là. Non? Ok. Il est assez actif sur Twitter, le frérot, n'hésitez pas à aller le follow, voilà, tranquille. Là, la BA, elle meurt, et le Mortis, est-ce qu'il me le laisse? Est-ce qu'il me laisse le Mortis? Même pas, putain, le mec, il me laisse rien. En tout cas, on fait un beau duo, les gars. Le skin, comment? Est-ce que c'est validé ou pas? On est à 666 trophées sur mon petit Emery, il est à 708, le frérot. Alors, il veut peut-être prendre Mortis, il m'a dit à un moment donné, bon, il fait ce qu'il veut, hein, Je lui fais confiance. Pour moi, Morty, sur cette map, c'est éclaté. Mais bon, si lui veut le faire, c'est qu'il y a un potentiel sur le brawler, donc on va lui faire confiance. On va prendre le brawler la popo du bas, et là, on va essayer de se prendre celle-là. Moi, je serais lui, je serais venu m'aider, parce que je vais me les faire voler par les mecs d'en haut, c'est quasi sûr. Ou pas. Est-ce que lui va se TP sur moi? Non. On est pas mal, hein. On est vraiment pas mal, en vérité. On fait des bons starts. On va être à 5 pots, là. Il y a un Dynamite sous grosse dynamite, là. Est-ce qu'on le tente? Non, il va trop vite. Il y a un Barley, Nani. Est-ce que je l'ai... Alors, j'ai envie de les tenter. Putain. Alors, on se fait tirer dessus par en bas à gauche, les gars. Et je veux focus les mecs dans... Ok, lui, il meurt. On va prendre ça. On a à 7, on est bien. On est à 7, les gars. On est probablement la team qui a le plus de pots sur la map. Et ça, les gars, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on va les sauver. Ok, lui, c'est pris pour qui? Alors, lui, il bouge pas. Oh, les gars, on fait carnage. On fait un carnage, c'est un truc de fou. On est à 14 pots. On a fait la première game, je crois qu'on était à 15 ou 17. Je vais lui mettre un petit peu de brouillard. Tac.
Est-ce que là, qui est en top 2, 17 pots, qu'est-ce qui se passe les gars? 12120 points de vie sur Léon. Est-ce qu'il veut, voilà, c'est bon, on lui a mis les mottes et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus les gars? C'est Brawl Stars, c'est trop facile les gars. Je vous le dis, Brawl Stars, c'est facile. Regardez mes vidéos, jouez avec Bomi et ce sera facile, voilà. On carry Bomi. Est-ce qu'il veut pas changer? Je veux dire qu'il change après sur la game d'après. Qui change son petit Léon, histoire de voir ce que ça donne avec d'autres brawlers. Parce que là on se fait plaisir. Là, en vérité, la vidéo, elle est franchement parfaite. Le skin, déjà, je croyais qu'il coûtait 150 gemmes, il en coûte 80. Première bonne nouvelle. Pour moi, 80 gemmes, c'est correct. Hein. Encore faut-il avoir des gemmes, je vous l'accorde. Mais ceux qui ont la chance d'avoir quelques gemmes sur le compte qui traînent, je le trouve vraiment stylé, celui-là. Et en plus, Emery, c'est quand même un brawler, voilà, ça reste du légendaire. C'est pas mon brawler préféré, les gars, je vais pas vous raconter de bobard, mais ah, le logo, il fait le bisou, il est là, l'abonné le plus fidèle, mais pour moi, quand même, skin, moi, c'était le skin qui m'avait fait le plus kiffer quand ils ont annoncé les nouveaux skins. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que je... Ok, là, j'aurais mis un peu des dégâts, dommage que le frérot, il met pas trop... Ok, ça meurt... Je prends ça, on est à 4, ça, c'est pas le meilleur start, mais c'est déjà pas mal. Il y a un Emery 5 côté gauche, est-ce qu'on peut lui rentrer quelques dégâts? J'ai envie de tempo un petit peu, mais le frérot, j'ai l'impression qu'il a pas du tout envie de tempo. J'ai envie d'attendre qu'il sorte la tête, là, le Emery, là, qui s'approche un petit peu, là, je peux pas trop lui mettre de dégâts. Ah là, putain, il a 900 PV, c'est dommage, 300 PV. Est-ce que c'est pas le moment d'envoyer un coup du Tibomi? L'autre, il va sauter, lui, il va sauter. Lui, les gars, je vous le dis, il va sauter, c'est sûr. Alors, je pense pas que ce soit la team contre laquelle il faut se fight, en vérité, hein, les gars. À mon avis, il est largement plus faible qu'eux. Ok, lui, il meurt, j'ai 700 PV. On récupère des pots, son mate, il est tout seul. Allez, le mate, il faut qu'il meure. Ok, bien wesh le frérot. On a 10 pots, on fait... Qu'est-ce qu'on fait? On va s'attaquer à eux. Petite tornade des familles. Ça se fait soulever par le bas. Ok, on va avoir 2 pots en plus, on va être à 12. C'est un carnage. C'est ma meilleure vidéo faite à l'arrache le matin. Enfin, le matin, les gars, il est 10h30. C'est pas vraiment le matin, quand même. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a encore 2 teams, les gars. Lui, il va sauter. Je vais essayer de le réceptionner. Ok, Bomi, il a carrément pré-shot. Ok, voilà, tranquille. Franchement, une promenade de santé, les gars. Sans rigoler, une promenade de santé. On va le mettre 700. On va mettre Emery 700 pour quand même qu'il y ait un but à cette vidéo. J'ai quasiment validé toutes mes quêtes. D'ailleurs, je vais vous montrer, les gars. Ouais, j'ai envie de vous montrer mes quêtes. Parce que je suis assez fier de moi. Voilà, on se tient en forme. C'est vrai que je rush pas. Je suis à 25600. Mais c'est pas une raison pour rien faire, les gars. Non. On a validé les quêtes. On se met plutôt pas mal. Moi, j'aime bien avoir plein de grosses boîtes à la fin de saison pour préparer le futur brawler, brawl pass, tout ça, vous connaissez. Donc, en général, j'aime bien, voilà. J'aime pas trop avoir trop de quêtes de retard, plutôt. Parce que, après, c'est vrai que c'est... Ça s'accumule, et quand on veut les faire, c'est un peu long. Donc là, j'aime bien les faire quasiment tous les jours. Alors, on est à une peau. On est à 2 peaux. Est-ce qu'on pourrait sécuriser ces 2 ou pas? Je pense que c'est plutôt bien parti pour qu'on le fasse, ouais. Ok, il y en a une là. On a une compo qui prend les pots pas mal, hein, franchement. Brock, il va sauter. Ouais, il va sauter, c'était sûr. Je me suis dit, il est pas assez bête pour s'être enfermé s'il a pas le gadget. Qui en fume? Moi, je pense que Mortis, faudrait qu'on aille sur la même team, en fait. Sur le même... Alors, le frérot, il part à gauche et moi, je pars à droite. On va essayer de le suivre. Je sais pas qui veut fight, mais... Ok, lui, ça va mourir. Parfait, on a 7 pots. Moi, je suis pour péter son mate, là. Viens, frère. Voilà, j'ai fait un petit demi-tour contact, là il a compris tonton, ça se passait par là. Alors dommage, on a un peu tardé, je pense que le mate de le Brock va respawn sur le Mortis dans quelques secondes, parce qu'on aurait quand même pu largement le soulever à mon avis. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas percuté avant. Allez, ça va mourir là, on va prendre 2 pots de plus, on a 9, le Brock il saute, GG à lui. Ok, ça, on prend 2 pots, 11, oh je suis inarrêtable, j'ai l'impression d'avoir un boule et de courir après des mecs quoi. Ok, lui il meurt, on est à 13 popos, on va mettre une tornade par là,
On va coincer lui. Alors lui, il a pas de peau, donc on va... Est-ce que je peux pas le taper un Brock, là? Ouais. Ok, on a pété ça. 14, on a combien, là? Là, si on laisse les points de vie remontant, on est déjà à 10 920. On est vraiment chaud. Il y a un Jean. Il y a un Jean. Est-ce qu'on pèterait pas eux, là, qu'on fait les malins un petit peu en début de game? Ok, on est du coup à 16. Il reste le Jean Korbach. On va focus ce duo, les gars. On va focus ce duo. Lui, il saute dans le poison. Il en a eu marre. Il en a eu marre de la vie. Il en a eu marre de la ville, frérot. Du coup, on va récupérer tout ça. On est à 20 popos. Est-ce que c'est pas notre record? Est-ce que c'est pas notre record, les gars? On dirait des maps robots. On a tellement de caisses qu'on dirait que c'est des maps robots. Même pas, les gars. Même pas ça, les gars. Ça fait plaisir. Voilà, on se met plutôt pas mal. On est à 693. Qui dit mieux? Est-ce que vous, sincèrement, vous faites mieux? Je rappelle aussi que Bomi, c'est un genre de duo survivant comme l'était Didi. C'est des mecs qui, du jour au lendemain, je sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont pété un câble, ils se sont mis au 3v3. Je pense qu'ils ont bien fait, hein. C'est quand même plus compétitif le 3v3. Et du coup, les frérots, bah, ils sont devenus super chauds. Didi, carrément signé chez les Codes Magiques, donc là, c'est une ascension incroyable. Mais mon petit Bomi, c'est du bon joueur. C'est du bon joueur, on voit qu'il est costaud, là. Est-ce qu'on irait pas prendre des poids avant de prendre des fights? J'ai l'impression que cette game, elle va être éclatée. On se fait focus, on n'a pas de peau. C'est peut-être la game de trop, les gars. C'est peut-être la game de trop. Est-ce qu'on irait pas à gauche, les laisser tranquilles un petit peu? Non, Bomi, il va absolument les soulever. Bah, frérot, on va faire ce que tu veux, mais je le sens pas, moi. Je le sens pas des masses. Est-ce qu'on peut pas se le coincer, lui? Ouais, il y a quand même la Jackie en haut, là. Si elle met un speed, la Jackie, je pense qu'elle m'éclate. C'est pour ça que je fais un petit peu gaffe. Ils peuvent se mettre... Oh, ils ont 10 pots. Ils ont 10 pots à droite. Donc là, pour l'instant, déjà, on est sûr qu'on fera pas top 1. Je vous le dis. On est sûr qu'on fera pas top 1 parce que la team a 10 pots. C'est absolument impossible de la soulever, vu les pots qu'on a. Limite, c'est une partie où il faut faire cache-cache, là. Et ouais, j'ai un peu honte en vidéo de faire cache-cache, les gars. Mais putain, il n'y a pas le choix, là. Là, il faudrait qu'on fasse un top 2. Ah ouais, putain, j'ai mis le beau skin, là. C'est un skin de top 1, en plus, ça. 4 teams, déjà, on perdra pas de trophée. Je pense pas qu'on fasse moins 4, honnêtement, je pense pas qu'on fasse moins 4. Putain, j'ai loupé tous mes shoots, c'est affolant. Ok, lui, est-ce qu'on peut l'aider à mourir? Ah ouais, tick 11, non, mais frérot, j'espère qu'il est safe, mon frérot, là. Ça me fait très très peur. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud à gérer. Ça va vraiment être chaud à gérer cette game. Il fait respawn son mate. Ah ouais, d'accord. Le search qui avait 11 pots, il s'est fait éclater, quoi. Ok. Ouais, c'est chaud. Il me met la tête, je suis mort. On va faire top 3. Top 3 ou top 4? J'ai même pas fait gaffe. On fait quoi, là? Top 3, ok. Je vais lui suggérer de changer de brawler. Est-ce qu'il va vouloir changer de brawler, le frérot? On va lui suggérer... il voulait prendre son Mortis tout à l'heure, on va lui suggérer son Mortis. J'espère qu'il est chaud. Comme ça, on en fait une avec Mortis. Il me manque un top 2, en vérité. C'est 693, donc un top 2 suffirait à nous qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, les gars. Non, je déconne. Pour nous qualifier à 700 trophées. Est-ce que, les gars, vous avez tous ceux qui voient la vidéo, est-ce qu'ils ont cliqué sur le pouce bleu? C'est gratuit, ça fait plaisir à tonton, les gars. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, hein. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. Allez, les gars, 10 sur 10. Il faut qu'on ait les 700 trophées. Un top 2 suffit. Go se concentrer. On est avec le frérot qui a son petit Mortis. Est-ce qu'il va nous carry? Est-ce qu'il va carry avec Mortis ou est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va servir à rien? J'avoue que Morty sur cette map, je pense pas qu'il carry grand chose, mais bon. Sait-on jamais. Alors, c'est vrai qu'à la base, Morty, voilà, ça a un intérêt sur cette map, c'est s'il y a des dynamiques. C'est que ça peut quand même être super fort. Allez, prends les pots, frérot. Prends les pots, voilà. On va. Il a une grosse bombe, lui. Hein. Ok, on est à 7. Là, c'est un bon start. Oh non. Oh là, les gars, il m'a gadget. Il m'a victimisé, mais je me suis senti... Waouh, c'est quoi cette game bizarre? Attends, je vais me remettre des PV. Le Rico en bas, je me méfie énormément de respect pour le Rico. C'est très très fort cette map. La première fois que j'ai monté mon Daryl 1000, c'était avec un Ricochet, c'était d'ailleurs avec Bomi. Et c'est vraiment super fort. Eux, par contre, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on les soulève quand même.
Ah, eux, faut qu'on les chasse. Eux, on va les chasser. Faut juste qu'on s'y mette. Voilà. C'est un peu du bourrinage en règle, j'avoue, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, ok. Il s'est fait. On est à 9, on est pas mal. Il nous faut un top 1 ou un top 2. Ah, le beau russe, là, il a fait un peu le malin. Il a voulu tirer sur Tonton. Je pense que c'est le prochain à mourir. Tac. On est à 11. Le tic, on va le laisser pour mon frérot. La Tara, la Tara, la Tara. Ok, la Tara, elle est morte. On va aller prendre la peau. Il la veut, il la veut. Il veut la peau, le frérot. Ok, lui, on est bien. On est à 16 peaux. Ok, là, on a le top 1, donc on est assuré d'avoir les 700 trophées. Faire attention de ne pas se passer sur un couloir. Contre Ricochet, je pense que je l'affronte, je l'affronte, je l'affronte, je l'affronte. Magnifique. C'est Bomi qui a tué les deux. Oh, non, il m'a même pas laissé 5 kills, cet escroc. Mais non, mais c'est... aucun respect de la part de cet homme. Ok, les gars, ça fait plutôt plaisir. 702 trophées, on s'est enchaîné pas mal de victoires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la rediff de l'ESL. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à aller voir les copains. Et moi, je vous fais des gros, gros, gros bisous à tous. Bomi veut relancer, lui. Il croit qu'on va jouer toute la journée. Non, non, pas du tout. En tout cas, le skin, il est vraiment beau. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie Bomi pour les games. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, c'est le frérot. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, les gars, n'hésitez plus. Gros bisous à tous. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.